Nous avons le plaisir d'inaugurer une activité dans le cadre de la relance des activités de cet établissement de l'Office Alliant des Fêtes. Nous avons le plaisir d'inaugurer les cafés littéraires qui vont. Une activité qui j'espère, sera pérenne et va continuer jusqu'à. Voilà. Donc nous avons le plaisir de recevoir Madame et je laisse la parole aussi à la modérateur de présenter. Donc je réitère mes souhaits de bienvenue. Je tiens à remercier vivement l'office Riyad al-Fath et donc à sa tête M. Amal Kenna qui a tenu et œuvré pour réhabiliter cet espace, le faire revivre afin que les rencontres comme celle-ci puissent se tenir. Rappelons que la vocation à la base d'un café littéraire, c'est justement renforcer le lien social qui se perd de nos jours et qui tend même à disparaître. C'est un lieu où la parole citoyenne se libère, un espace tout simplement convivial, irremplaçable en comparaison avec les liens virtuels qui existent à travers Facebook et autres moyens de contact. Rien ne remplace les échanges directs que peuvent avoir les individus entre eux. Ce plaisir d'être ici aujourd'hui est d'autant plus amplifié du fait que nous avons parmi nous une invitée de marque, Madame Wasila Tamzani. Et voilà ce que j'ai écrit en lisant son livre « Une éducation algérienne ». C'est une femme, une militante, à la voix douce, posée. Et même quand elle parle de son livre « Une femme en colère », la douceur est toujours là, dans la voix et dans le geste. Votre livre, Madame Tamzali, Une éducation algérienne, aurait pu s'intituler aussi Une femme en colère, ou l'Algérie en... le cri, Algérie le cri. Il m'a ému, bouleversé. Vous avez écrit avec des mots simples votre propre histoire familiale. Et je dis que vous devez être l'exemple pour beaucoup d'autres qui devraient écrire leurs drames familiaux de cette période noire de la colonisation. Et ce sont ces drames-là, familiaux, qui font la vraie histoire de l'Algérie. Vous avez dit que pour tourner une page, il faut savoir d'abord ce qu'il y a sur cette page, qu'on ne peut pas faire le silence des souvenirs douloureux, qu'il faut mettre l'histoire à plat, et que la mission d'une génération, et que ça a été un peu la mission de votre génération, pour passer le témoin, une fois que cette histoire est mise à plat, justement. Votre engagement au quotidien, Madame, excusez-moi, je le trouve exemplaire. Car, comme le dit Stéphane Hessel, que vous avez rencontré avec un autre éminent personnage, Alain Touraine, il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Je pense, pour finir et pour être bref, que c'est la raison d'être de ce café littéraire, et c'est tout à l'honneur de l'Office Alliant des Fêtes et à sa tête, Monsieur Kenna, qui nous accueille aujourd'hui. Merci madame pour la leçon de courage que vous nous donnez. Dit qui se ressent à travers la lecture, est-ce que vous auriez été la femme d'aujourd'hui? Merci. Merci de me poser cette question parce que je me pose souvent cette question et. Et récemment, j'ai écrit un texte sur le pays natal pour essayer de comprendre mon attachement, mais aussi l'attachement de beaucoup de personnes pour l'Algérie. Cet attachement passionné, douloureux, ombrageux, exclusif, que manifestent souvent les Algériens et les Algériennes. Même s'ils vivent à des milliers de kilomètres. Et que souvent même elle empêche les discussions, n'est-ce pas? Et que c'est ce qui fait souvent sourire nos amis tunisiens, marocains et canadiens qui disent toujours « Ah, on voit bien que c'est une Algérienne, on voit bien que c'est un Algérien ». Donc, je me suis toujours interrogée sur ce lien, voyez-vous, ce lien de passionnel, au fond,
avec l'Algérie. Et j'ai compris que, au fond, à travers mon cas, sans doute que c'était le drame qui tenait ensemble les Algériens. Et vous me posez cette question en disant, si votre père n'avait pas été assassiné dans les conditions dans lesquelles il est assassiné, parce que la mort c'est une chose et les conditions de la mort sont devenues une chose différente, eh bien sans doute que j'aurais été très différente, avec un attachement moins passionné à ce pays, parce que d'une certaine manière c'est ce profond sentiment d'injustice qui fait que je suis dans une attente par rapport à ce pays, n'est-ce pas, comme s'il y avait une dette entre lui et moi, et que cette dette, eh bien, nous n'arrivons pas à la régler, que ce pays n'arrive pas à la régler. Et j'ai longtemps cru que j'étais une femme engagée politique. Sur le plan politique, je pense que c'est les questions auxquelles mon père, sans doute, a eu, au moment de mourir, la dernière question, pourquoi ? Parce que c'est incroyable la manière dont il a été assassiné. Et que c'est cette question de pourquoi qui construit mon parcours politique. Pourquoi cette violence ? Pourquoi en Algérie, on arrive à un Algérien arrive à tuer un autre Algérien ? Et donc c'est cette question, si vous voulez, qui est au cœur de ma démarche intellectuelle, d'abord. Politique, puisque quand on est un intellectuel engagé, on est automatiquement, on a une parole politique, et que j'essaye de traduire à travers, que j'essaye de transformer à travers l'écriture. Il faut rappeler qu'Armirouche avait... Oui, mais ben, ça va. Les gens qui étaient pour rien et qui l'avaient condamné. Oui, mais ça va. Voilà. Donc, à travers l'écriture, et je vais essayer de parler avec vous de l'écriture, l'écriture, parce que je pense que c'est extrêmement important, puisque nous sommes là, d'ailleurs, dans un café littéraire. Je pense que si je n'avais pas utilisé ce travail à travers l'écriture, je ne serais pas arrivée aux conclusions auxquelles je suis arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un véritable, ce que les psychanalystes appellent un travail sur soi, n'est-ce pas, qui se fait à travers l'écriture, qui est une discipline très austère, parce que vous êtes obligé de vous concentrer et de chercher l'expression qui va être le plus proche de ce que vous voulez exprimer. Et en cherchant à vous exprimer, vous arrivez à trouver des choses que vous n'aviez pas prévues ni attendues. Et d'une certaine manière, je crois que écrire sur soi, si on prend le chemin de la sincérité, c'est une manière de se découvrir. Et ça, c'est très important, encore plus important peut-être, si vous voulez, de voir que, au fond, plus on va vers sa singularité, et ce livre est vraiment le livre d'une personne qui a eu une éducation particulière avec des éléments très particuliers dans cette éducation, ne serait-ce que le niveau social, etc., toutes ces choses-là. Eh bien, quand vous prenez ce chemin de l'introspection, quand vous essayez d'aller jusqu'au bout de votre singularité, la récompense que vous avez, en tout cas moi je l'ai considéré comme une récompense. Pourquoi une récompense? Je fais une autre parenthèse si vous voulez. C'est que, dans ce livre je le dis, souvent, on m'a toujours dit que j'étais pas comme les autres. Ah mais t'es pas comme les autres. Tu peux pas comprendre, t'es pas comme les autres. Et la récompense, au fond, c'est quand vous écrivez un livre comme ça, et que vous voyez des gens devant vous, des jeunes femmes, des hommes, des vieux, les jeunes, tous les milieux sociaux, mais algériens, qui viennent et qui vous disent « Mais vous avez raconté mon histoire. » Et ça, c'est une vraie récompense, si vous voulez,
Et je pense que, bon, ce n'est pas moi qui vais faire l'analyse du livre, hein, ce n'est pas à moi à la faire, mais j'ai lu beaucoup d'analyses maintenant, c'est un livre qui a donné l'occasion de beaucoup d'analyses. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, ce qui a été trouvé intéressant, c'est au fond le résultat, cette atteinte de l'universel. Parce que je vous dis que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, de tous les âges et de tous les milieux, sont venus me dire que c'était leur histoire. Mais je peux vous dire que des amies chiliennes et des amies italiennes et des amies françaises sont venues me dire que j'avais, que c'était leur histoire. Et récemment, j'ai une amie qui est une femme tout à fait admirable et remarquable, et qui s'appelle Carmen Castillo, qui est une cinéaste, qui a été la compagne du leader du MIR. Vous savez, cet homme qui a été assassiné chez lui, sous Allende, hein, dans le drame chilien. Et donc, mon livre a été traduit en espagnol, et je l'ai offert pour sa mère. Et sa mère, qui est une femme engagée politiquement, qui est une dame qui a 94 ans maintenant, m'a envoyé une très longue lettre pour lui dire qu'elle comprenait l'amitié de Carmen et de moi parce qu'elle disait qu'on avait une même histoire et qu'elle-même se trouvait dans cette histoire. Au fond, si vous voulez, quand je mets ensemble tous ces témoignages, je me rends compte que ce qui fait le lien entre toutes ces personnes, c'est premièrement comment la grande histoire transforme les histoires personnelles. Mais ça, c'est dans un chemin d'échange. Parce que comment l'histoire personnelle transforme la grande histoire, voyez-vous? Il y a un aller-retour entre l'histoire collective et l'histoire singulière qui, à mon avis, est une des clés de la connaissance de l'histoire. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a longtemps privilégié l'histoire collective et on s'est très peu attaché à l'histoire singulière. Et c'est à travers cette histoire singulière, et je dirais à plus forte raison quand il s'agit d'une histoire de femme. Parce que autant les hommes ont l'impression et paraissent s'inscrire dans l'histoire collective, autant les femmes racontent leur histoire d'une manière moins dite et moins connue, et que là, on arrive à trouver presque un dénominateur commun, que ce soit le Chili, que ce soit l'Italie, ou que ce soit l'Algérie, ou la Tunisie, ou le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a une communauté, si vous voulez, au niveau du récit, quand on raconte un récit singulier, comment il est transformé par l'histoire, et comment il va transformer l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est même difficile de faire la part des causes individuelles, des causes collectives, à des trajectoires de vie. Prenez l'histoire de, par exemple, si on prend l'histoire d'Albert Camus, quand on essaye d'expliquer Albert Camus, et si on le lit seulement à travers ses aspects politiques et ses écrits politiques, on passe à côté de beaucoup de choses. Si on ignore que sa mère était une femme autiste, qu'il a été élevé dans une très grande pauvreté et qu'il n'avait comme identité que l'idée qu'il était algérien, ce qui lui interdisait presque de voir dans les Algériens des Algériens, et c'est pour ça qu'il les appelle des Arabes jusqu'à la fin de sa vie. Donc, si vous voulez, c'est ce va-et-vient entre l'histoire personnelle et l'histoire publique et collective qui fait que ce livre a été reçu comme lu par beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'Algérie. L'histoire d'une forme de résistance, évidemment, parce que une des matrices du livre, c'est la décolonisation et la résistance algérienne, n'est-ce pas ? Étant donné, si vous voulez, que c'est comme une histoire familiale, puisque c'est l'histoire de mon père, de la résistance, de sa résistance, de son engagement politique, etc., et l'engagement de mes oncles, de mes cousins, etc. Donc, il y a l'histoire de cet engagement politique, la résistance, avec, évidemment, presque inévitablement, hein, ce qui vient après l'utopie de la résistance, c'est le désenchantement. C'est-à-dire, après, si vous voulez, l'idée de cette révolution de 1962, ce qu'on a cru être une révolution universelle,
ça a été le désenchantement de toute une génération. Et je me demande d'ailleurs si on peut trouver des exemples où il n'y a pas eu 20 ans, 30 ans après, cette forme de désenchantement. Mais en même temps, et c'est ce qui fait, je crois, l'optimisme du livre et sa particularité, c'est que l'idée très forte que cette utopie des années 62, même si après, avec le temps, on se rend compte que c'était une utopie, et que pour certains, c'était une erreur de croire ce qu'on avait cru, je pense là, si vous voulez, c'est la philosophie du livre, c'est qu'il y a des erreurs constructives et positives. Et que, quand j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est que je revenais en Algérie après 20 ans d'absence, et que je ne reconnaissais pas ce pays, et que je ne trouvais pas dans la jeunesse de ce pays cette flamme qui nous avait occupés, et que même si nous avions perdu notre utopie, nous avions le souvenir de cette utopie, et qu'elle nous permettait encore de rester vivants dans cette Algérie aujourd'hui qui se reconstruit en quelque sorte, ou qui essaye de se reconstruire. Voilà. Maintenant on peut échanger si vous voulez. Permettez-moi de témoigner du plaisir de vous entendre et de vous voir aujourd'hui en face de moi. Vous êtes une très grande dame. Je n'ai pas l'habitude de vous lire. J'ai eu entre les mains donc, votre livre, celui dont vous, qui fait l'objet donc, aujourd'hui de cette conférence. Et je ne peux pas vous traduire l'émotion qui m'a parcourue pendant toute sa lecture. Il y avait des passages un peu ardus, un peu denses, un peu touffus. Ça ne m'a pas gênée pour le lire de la première page jusqu'à la dernière. J'ai étouffé des sanglots, des larmes coulaient toutes seules. Et jamais, pourtant je suis une grande lectrice, un livre ne m'a autant touchée. Merci. Parce qu'il parlait de mon pays, parce qu'il parlait de choses sur lesquelles je n'avais pas mis le doigt. J'ai appris plein de choses à travers la lecture de votre livre. Je vous en remercie infiniment. Et je répète encore mon plaisir de vous voir ici en face de moi. C'est un grand honneur. Ce qui a fait que, vous savez, les transports, mais j'ai cherché à m'acheter dans beaucoup de libraires, on m'a dit que l'édition était épuisée, ben, j'ai profité donc, de cette occasion pour venir m'acheter, donc je ne l'ai pas lu. Si on devait discuter du livre, donc je ne peux, bon, à travers la presse, j'ai lu pas mal d'analyses sur son contenu. C'est vrai que ce que vous aviez dit déjà, pour toute guerre ou toute révolution, concentre, j'allais dire, des éléments opposés entre la petite histoire et la grande histoire. Et généralement, en fin de parcours, c'est beaucoup plus la grande histoire qui l'emporte sur la petite histoire. C'est difficile. Bon, maintenant, s'il faudrait parler de la révolution ou tout ce qui a pu être écrit sur la révolution algérienne, malheureusement, tout ce qu'on malheureusement voit, c'est, je suis pas un spécialiste, je suis une historienne et je suis un scribouillard, un cadre supérieur en retraite, mais je m'intéresse à tout ce qui est l'histoire du pays, donc j'ai quelques idées là-dessus. Malheureusement, ce que je voulais dire, moi je déplore que pratiquement le monopole de l'écriture de l'histoire de la révolution algérienne
jusqu'à maintenant, c'est un monopole français. C'est un monopole français. Ce qui est encore, moi, ce qui me rend le plus, j'allais dire, médias qui nous informent, c'est la presse ou les documentaires, les rares documentaires que nous avons la chance de voir à la télévision. Ce qui enfin je ne dis pas Mendine, c'est de notre force, c'est qu'au niveau même de nos historiens algériens, de notre intelligentsia algérienne, quand on, par exemple, Benjamin Stora se déplace à Alger, c'est un événement. Parce que c'est vrai qu'il écrit, mais ça ne devrait pas moi, c'est notre histoire. Dans tous les pays du monde, s'il y a bien une discipline qui devrait, qui même vouloir avoir une nationalité ombrageuse, c'est bien l'histoire. Écrivez quelque chose sur De Gaulle, par exemple, en France, et vous allez voir ce que ça va susciter comme réaction de tous les Français. Et la première réaction, de quoi se mêle-t-il celui-là ? Je voudrais, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais il y a 140 professeurs d'université américaine en ce moment qui font des recherches sur l'histoire algérienne, donc beaucoup plus que les professeurs français et les professeurs algériens réunis. Mais ce qui est valable pour les Américains, ce qui est valable pour les Français, est valable pour les Américains, vous avez bien cité les Américains. L'histoire de l'Union Générale des étudiants algériens. Qu'est-ce qu'il y a le plus qui a écrit, qui a en fait un événement littéraire? C'est un Américain. C'est un Américain qui s'est trouvé être le représentant des étudiants américains en France au moment de la Révolution dans les années 58-59. Et lui-même le reconnaît qu'il a énormément appris en matière, j'allais dire, de lutte contre eux auprès des étudiants algériens. Et nous avons quand même de grands esprits parmi les anciens étudiants algériens, mais malheureusement, moi j'en cherche quelqu'un qui s'est colté de d'écrire quelque chose sur l'histoire du Algérie. Vous avez quand même Harbi, vous avez à Constantine une école d'écriture d'histoire. Je suis Constantine. Donc comment ? J'ai Constantine. Et Constantine, il y a M. Merdassi. Oui, mais il y a Merdassi, il y a aussi. C'est l'équivalent de la ville de Sigini, ici, un centre de torture horrible. Et qui est-ce qui a écrit sur l'histoire de la fin? C'est le français qui est décédé, celui qui a écrit sur les manifestations d'octobre à Paris, comment il s'appelle déjà. Et nous disons, jusqu'à maintenant, on peut encore. Voilà, c'est juste pour. D'accord. Oui, bon, d'accord, c'est des Français, mais quand vous avez le travail de Gilles Lanier ou des grands. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que là, on se laisse faire. Là, nous n'avons pas le choix, madame. Oui, vous avez ou bien, raison. Ou bien nous avons l'histoire officielle. L'histoire officielle qui est parrainée par le ministère des Anciens Moudjahidines. C'est pas que je fasse un procès d'intention, c'est leur travail. Et puis c'est tout. Il y a quelques. Bon, monsieur Harbi, malheureusement, quand il a écrit ses premiers livres, il était en France. Il y a beaucoup plus l'histoire du FLN, c'est beaucoup plus un règlement de compte qu'autre chose. Peut-être que, bon, je ne vais pas m'attaquer, je n'ai pas la prétention de m'attaquer à ça, mais non, je souhaite qu'il y ait des Algériens qu'on fasse de l'histoire. Voilà mes remarques. Je suis allée dans la librairie là, qui nous reçoit d'ailleurs, vous verrez le nombre impressionnant de mémoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre par rapport à il y a 20 ans, aujourd'hui tout le monde écrit ses mémoires. Et le problème c'est de passer de la mémoire à l'histoire. Ça demande un secteur universitaire structuré, encouragé, avec peut-être une fondation pour la recherche historique, etc. Et puis, en même temps, si vous voulez, je pense que il faut du temps pour que l'histoire soit prendre le recul. Si vous êtes dans un centre de recherche à Washington et que vous avez un budget de recherche important et que vous choisissez l'Algérie comme centre de recherche, vous avez déjà la distance. Hein. Vous pouvez prendre la distance. Vous pouvez travailler sur les archives, vous pouvez, etc. Mais je pense que l'histoire va s'écrire dans ce pays et qu'elle accompagnera
une meilleure connaissance. Je rentre de Jaya, où il y a eu pendant 3 jours une rencontre avec des historiens, des anthropologues, des politologues, des linguistes, autour de la révolution à cet événement, qui est un événement important. Et je dois dire que Tassadit Yassine, qui est une femme, qui est elle qui a coordonné l'aspect scientifique du colloque et de la rencontre, a vraiment mis en place des éléments qui n'ont pas fini d'être producteurs, parce qu'on se rend bien compte que là, c'est un monde qui s'ouvre. Parce que quand on parle de Mokrani, souvent les gens, vous savez, on dit oui, c'est parce qu'on lui a enlevé ses terres, etc. etc. Et en fin de compte, vous reprenez l'histoire, peut-être qu'il y a eu un phénomène comme ça, un événement, un épi-événement, c'est-à-dire un petit événement qui a cristallisé à un moment donné un ras-le-bol du territoire entier. Et ce qui était très intéressant dans les interventions des historiens, ça c'était vraiment des historiens, c'est de nous montrer que comment derrière Mokrani, derrière le Cheikh Abbas, comment cette organisation politique, culturelle et sociale qui représentait un vrai mouvement de révolution. Vous voyez. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que en Algérie, on a vite fait de se battre. Voyez-vous, les gens méprisent leur histoire, méprisent beaucoup de choses. On passe, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette capacité de passer de cette dénigration et de ce mépris à une espèce de orgueil injustifié. C'est-à-dire que faut trouver entre un juste milieu, un milieu pas seulement juste mais rationnel et raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être et des héros intouchables et des moins que rien, voyez-vous. Et quand vous passez une journée à Alger, eh bien vous pouvez dire que, quels que soient les cercles où vous soyez, que ce soit la table, que ce soit l'université, que ce soit une séance comme ça, vous passez du héros intouchable au mépris total des Algériens. Donc, déjà, il faut que nous soignions pour envisager l'histoire d'une manière beaucoup plus scientifique, plus sereine, et puis surtout ne pas avoir peur de l'histoire. Parce que, évidemment, l'histoire va révéler des choses que certains, si vous voulez, n'ont pas du tout intérêt à voir révélées. Et ça aussi, c'est un verrou qui est très important. On ne peut pas dire, parce que les Français n'ont aucun verrou. Ils le font. Ils le font de plus en plus. Et ils sont engagés. Tandis que vous avez ici, par exemple, de ce côté, il y a des verrous politiques qui font que, eh bien, l'histoire n'est pas privilégiée, n'est pas encouragée, n'est pas promue comme elle devrait l'être, alors qu'on a vraiment besoin de raconter, de comprendre notre histoire, et pas de se contenter pour la lire des mémoires de ceux qui ont été des acteurs de l'histoire. Parce que les mémoires de ceux qui ont été des acteurs de l'histoire doivent être relues par des historiens. Parce que l'histoire subjective, elle est importante et elle est intéressante quand elle s'inscrit en contrepoint de l'histoire collective, vous voyez. Mais si on finit par raconter l'histoire avec les souvenirs de Flaine et de Flaine et de Flaine et de Flaine, on ne va jamais s'en sortir. Et ça ne sera pas une histoire, vous comprenez. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a un très grand intérêt. Il faut dire que la force de frappe de l'université américaine, elle est considérable, même par rapport à l'université française. C'est-à-dire que quand vous lancez dans une recherche en Amérique, vous avez des moyens qui sont tellement énormes, que ce soit en sociologie ou en histoire ou dans l'examen des archives, que évidemment, il est très difficile d'être en concurrence avec ces chercheurs qui ont des moyens considérables. Maintenant, il faut dire aussi que les grands spécialistes de la Révolution française, c'est maintenant, depuis quelques années, des Américains. Voyez-vous ? Et on voit bien que
la recherche scientifique, qu'elle soit historique, ou qu'elle soit nucléaire, ou qu'elle soit dans le médical, eh bien, elle pose des problèmes qui sont des problèmes politiques, des problèmes de moyens et des problèmes de décision politique. Voyez-vous, si par exemple, vous avez dans un vous pouvez monter une fondation, mais à qui on va donner un cahier des charges qui va à l'encontre de l'histoire, eh bien on va avoir des histoires merveilleuses, mais on n'aura toujours pas l'histoire. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une grande indépendance de l'université, n'est-ce pas? La capacité de pouvoir exprimer cette indépendance. Et il faut des moyens, il faut des moyens. Mais je pense que ça va être sans doute un des sujets de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même une femme qui a dirigé un centre de recherche, et quel que soit ce qu'on lui reproche, elle est quand même apte, si vous voulez, à comprendre au moins ce qu'on peut faire. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? On ne sait pas, mais elle va quand même comprendre que si on veut avoir un secteur de l'histoire, il faut mettre les moyens. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire en restant chez vous, dans votre cabinet. Il faut avoir accès d'abord aux archives. Or, vous savez très bien que le problème de l'accès aux archives, c'est un problème politique et qui n'a pas été réglé. Qui n'a pas été réglé. Que en France, on commence à libérer un certain nombre d'archives, mais qu'on ne libère pas toutes les archives. Et qu'en Algérie, on ne libère pas les archives. Donc, vous ne pouvez pas écrire l'histoire sans les archives. Et que la meilleure manière déjà de commencer, c'est déjà de travailler sur les archives, d'avoir peut-être des actions envers les gens qui détiennent les archives pour les libérer, voyez-vous. Donc c'est, mais vous avez raison de poser le problème, mais c'est tout un travail, et je pense que 60 ans après l'indépendance, eh ben, c'est sans doute une des tâches aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale. L'histoire doit rester entre les mains des chercheurs et les mains de l'université. L'histoire ne doit pas être un appendice d'un institut nationaliste quelconque, etc., etc. On peut faire des monuments, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire tout, mais faisons aussi l'histoire universitaire. Parce que ça, c'est fondamental. Et tant qu'on ne se connaît pas, eh ben, on ne peut pas avancer. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur la relation entre l'État et les gens qui veulent écrire l'histoire, le vécu de leurs parents, tout ça. C'est vrai que c'est un problème qui est souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour un moment. Moi, je ne fais que le condition qui fait que je suis spécialisé. Mais j'ai un sentiment de, quelque part, d'un devoir qu'il faut moi aider quelque part à ces gens-là. Je fais de mon mieux, mais je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec une dame qui a fait une Mujahidat, qui est en Colombie. Donc c'est une dame âgée, que j'ai connue à travers une cliente qui venait chez moi acheter des livres. Et puis un jour, il m'a dit, voilà, j'ai une parente qui a écrit dans les années 70, je pense que c'était 70, un ouvrage chez Lénal, l'ancien Lénal qui a disparu. Donc ce livre-là n'a jamais été édité, il a écrit en langue arabe. Le titre, c'est Nida al-Khal, à peu près en âge, je pense, comme ça. Bon, quand il m'a proposé ça, j'ai dit, voilà, on m'a ramené le bouquin, je vais le voir. Et puis peut-être je vais voir un ami ou un éditeur qui pourra. Et il se trouve que la dame qui m'a ramené le voyage, la première fois que je l'ai ouvert, je lis le titre, La bataille d'Iwakuren. Il se trouve que Iwakuren, c'est mon village. Bon, le destin a fait que les choses arrivent comme ça. Et quand j'ai lu l'histoire, effectivement, cette histoire-là, on la connaissait à peine. La dame-là, elle l'a raconté d'une façon méticuleuse. C'était vraiment des faits qui se sont passés dans le village, parce qu'on est juste en bas de la Lapidja. Donc c'est un village martyr, il y a encore une histoire.
Donc il a raconté, il raconte les choses, des petites choses comme ça qui arrivent. Et moi, quand je lisais l'ouvrage, je découvrais la nature des gens de mon village. C'est très important pour moi, j'étais vraiment ému. Et bien j'ai édité l'ouvrage. Je ne suis pas spécialisé, j'ai édité l'ouvrage. Et je l'ai mis justement à la disponibilité du ministère du Moudjahidine, à travers le centre de recherche. Il a édité, ça fait 2 ans. Et la dame, elle était très très contente. L'édition en français, bien sûr, en français. Non, c'est en anglais. L'auteur, il s'appelle Lesfar Khadija. Bon, le nom du père, c'est Dania. Donc, justement, par rapport aux histoires individuelles, c'est très important. Maintenant, on est en train de perdre. Il y a des bougies qui s'éteignent. Gens qui ont fait la guerre, qui ont fait la révolution, même s'ils ne sont pas des moudjahidines, parce qu'être un moudjahid, avoir la carte et ne pas avoir la carte moudjahid, ça c'est... Moi-même, mon père me raconte des choses qui... J'imagine que c'est des choses intéressantes à raconter pour les gens, mais il a fait la guerre, comme tous les Algériens, et son fils ont participé à cette guerre, ils ont vécu des choses très choquantes, et en même temps, des choses aussi qui ont fait des relations humaines à l'époque, qu'on n'arrive pas à trouver maintenant. C'est cela que doit maintenant savoir nos jeunes, les lecteurs aujourd'hui doivent lire ces choses-là pour avoir justement le vécu de nos ancêtres. Et voilà, je vous remercie. On va dire que vous avez accompli un acte militant. Vous n'êtes pas à l'origine un éditeur généraliste, mais un éditeur d'ouvrages scientifiques. Et... Oui, c'est très bien. Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut faire quelque chose, peut orienter, peut donner des renseignements, mais il faut aider dans ce sens parce que connaître l'histoire, c'est construire la place. Il y a une question, madame. C'est pas une question, je suis désolée, je suis passée par hasard, j'ai vu l'affiche et je suis rentrée, donc j'ai raté la communication. J'ai vu une affiche là, juste pour. Et donc je suis rentrée, je ne savais pas ce qu'il y avait, mais là j'arrive quand même à comprendre un petit peu le fil de l'histoire. Et donc je voulais juste dire que il est vrai que nous savons tous en principe que l'histoire elle est faite aussi par des petites gens. Hein. C'est chacun une histoire et ça fait la grande histoire. Mais je voulais juste le dire parce que madame elle parlait tout à l'heure de mettre l'histoire en main des chercheurs universitaires. Il faudrait aussi que dans les départements d'histoire, je parle de l'université algérienne, il faut instaurer, plutôt inculquer l'esprit critique. Et je pense que c'est ça qui manque à nos étudiants. Parce qu'il y a encore des enseignants qui sont fermés. Il y a des enseignants qui sont ouverts, qui font de la recherche. Et quand vous dites qu'ils ne vont pas dans les extrêmes, hein, où c'est très beau, où c'est rien du tout. Mais il y a encore des historiens et d'autres enseignants qui sont complètement fermés. Et, c'est-à-dire, il y a une certaine... Ils sont lunatiques, je ne sais pas quoi. Moi-même, j'ai fait archéologie dans les années, à la fin des années 80. Et quand j'ai dit, par exemple, à mon professeur qui nous faisait éducation, civilisation islamique, quand il m'avait dit, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez suivre, par exemple, comme option, j'ai dit préhistoire, il m'a dit, ah, elle veut faire l'idéo. C'est fermé, voilà. C'est ce qu'il m'a répondu, c'était mon professeur. Et j'étais choquée. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui sont fermés, mais heureusement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts, et je dirais seulement que ces derniers temps, par exemple, en parlant des témoignages, il est vrai que les témoignages, c'est la mémoire, et la mémoire n'est pas l'histoire, mais l'historien, c'est les témoignages, c'est une sorte de matériau qui doit exploiter avec les regroupements, etc. Il arrive à des vérités, il arrive à reconstituer, disons, l'histoire. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a encore des enseignants quand même qui font beaucoup de choses, qui ont un esprit critique, et j'en veux aux profs ces dernières années. Par exemple, ça m'arrive de lire le quotidien arabophone Al-Khabar, où il y a des témoignages donc, qui sont publiés. Et j'ai remarqué qu'il y avait un historien d'Oran, en l'occurrence, lui ici, vraiment, il apporte, à chaque fois qu'il y a un témoignage, il remet ça dans le contexte, il essaie de recouper les données, il essaie de remettre à leur place les choses, parce que celui qui a fait le témoignage, c'est-à-dire que cet historien d'Orient arrive à déceler les subjectivités et lui replace tout ça dans des contextes objectifs, et ça c'est bien. Donc il y a encore des gens quand même qui sont ouverts, qui ont cet esprit critique. J'espère que dans les universités, c'est ça qui doit prévaloir.
inculquer l'esprit critique à nos jeunes étudiants. Merci. Minuscule qu'on peut comprendre la grande histoire, voilà. Et le sens de la grande histoire. Pas savoir, ça il faut l'apprendre, mais le sens. Et c'est pour ça que ce titre, c'est exactement ça. Ça s'appelle Histoire minuscule des révolutions arabes. Vous voyez ? Parce que ça part de l'individu, comment l'individu a vécu, vivre ces événements. Voilà. Donc, on finit la boucle là, si vous voulez. En parlant de l'histoire et de l'histoire minuscule. Voilà. Moi, je voulais rebondir justement sur le livre qui, en quelque sorte, moi je ne l'ai pas lu, mais je commence à voir qu'il s'agit de souligner un peu les bavures qui ont eu lieu pendant la Révolution. Pas du tout. Ah non, c'est pas ça. Il faut le lire. C'est mieux de lire. A été traduit ici. Alors, je vais tout vous dire. Quand vous publiez, les Français ont tendance à ethniciser tout ce qui n'est pas français. Et moi, c'était pas mon titre. Mon titre, c'était les émotions exilées. Mais il fallait vraiment mettre algérien dedans. Et comme je ne voulais pas qu'on me mette une femme algérienne, surtout pas, ni debout ni assise, je me suis dit, bon, je vais chercher dans le corpus littéraire malgré tout. Hein. Alors j'ai trouvé éducation algérienne. Et je peux vous dire qu'en France, ça passe très bien, une éducation algérienne. Les Espagnols l'ont traduit différemment. Le titre c'est Ma terre algérienne. Miatira Relida, de la révolution à la guerre civile, parce que la Guardia Civila, pour les Espagnols, ça a un sens. D'accord. Bon, donc, vous voyez, chacun. Et ça, je vais finir là-dessus si vous avez 2 minutes à m'accorder. Montrez-moi. Les Italiens ont appelé ce livre Une passion algérienne. Et maintenant, je vais vous dire ce qui est très amusant. Et moi, ce qui me flatte, ça veut dire que c'est un livre qui est comme une poupée russe. Vous en ouvrez une, vous en ouvrez une autre, etc. C'est ça qui est intéressant. Les couvertures. C'est formidable. Le premier livre qui a été traduit, c'était en italien. Alors, la couverture française, c'est le 11 décembre 1960, c'est la grande manifestation populaire à Alger. Alger, français, Lambier, Belcourt, Belcourt, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, elle est très belle, vraiment très belle. Et donc, comment ? Non, mais bon, attendez, on ne va pas faire d'histoire, je vous raconte les couvertures, d'accord. Donc, la couverture, c'est. Parce que pour les Français, c'est un livre sur la guerre d'Algérie. Et quand vous le cherchez en France, et je hurle, et vous le trouvez entre le général de Gaulle et à CORS, comment il s'appelle Osa. Je suis furieuse. Ça n'a rien à voir, ni avec de Gaulle, ni avec Osa. Bon, c'était une mauvaise positionnement. Donc, pour les Français, c'est le 10 décembre 1960, et une éducation algérienne, parce qu'il fallait le mot algérien dedans, d'accord. Les Italiens, c'est une passion algérienne. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme photo ? C'est ça qui est impressionnant. Ils ont pris une femme
qui regarde la Méditerranée avec un palmier. C'est un tableau de Matisse. Et eux, quand ils ont lu le livre, ils ont lu que l'histoire d'une femme. Ils n'ont pas lu l'histoire ni de la guerre. C'était secondaire, mais c'est l'histoire d'une femme. Les Algériens, Casbah, quand ils ont fait le livre, qu'est-ce qu'il m'a demandé comme couverture ? Photo de ma famille. Ce qui l'intéressait, c'était la famille. C'est mes grands-oncles. Et les Espagnols, qui connaissent moins l'Algérie, moi qui trouve mes photos, de toute façon, je préfère avancer qu'être imposé. Parce que normalement, l'éditeur peut, vous le savez, n'est-ce pas, peut changer le titre et peut choisir la couverture. Pour les Espagnols, c'est un très joli tableau. Et moi, je n'aime pas la peinture orientaliste, je peux vous dire tout de suite. Mais bon, c'est un très joli tableau orientaliste. Avec deux femmes, avec le haïk blanc. Je me disais, ça a du sens, puisque le livre commence sur comment ma grand-mère mettait son haïk quand elle descendait de Saint-Eugène. Et derrière, il y a toute la ville d'Alger. On voit Alger, c'est un très très beau tableau. Et ces deux femmes qui sont penchées sur l'eau, et on dirait qu'elles sont à Venise. Donc c'est vraiment un très très joli tableau. Alors vous voyez, quatre livres, quatre lectures, quatre couvertures, quatre titres, quatre... Et j'ai proposé à mon éditeur algérien ici, je lui ai dit, changeons le titre, parce que ça n'a aucun sens pour l'Algérie, une éducation algérienne. D'ailleurs, je vais vous dire, je pense que je ne lui ferai pas ombrage, un jour j'ai rencontré M. Bedjaoui, qui m'a dit, j'ai pas lu votre livre, mais je m'intéresse beaucoup à l'éducation, il faut vraiment que je le lise. Si elle a écouté, alors lisez-le. Mais si vous cherchez des statistiques de l'éducation nationale, vous n'allez pas en trouver dedans. Il n'a pas lu. Voilà, merci de nous avoir accueillis. Alors, je vais vous dire, hein, ne croyez pas que je suis narcissique un peu, mais pas à ce point. Ça, c'est le problème de un peu le travail, un peu vite fait. Hein. Parce que quand on a parlé du livre, ça fait il y a 2 ans, je leur ai dit, vous avez le droit de faire les couvertures. Vous avez le droit de changer le titre. Mais on va le faire ensemble. Chez Gallimard, ils n'auraient jamais osé mettre un titre que je n'accepte pas, ni une photo d'ailleurs. Mais moi, j'ai choisi la photo, d'abord parce que c'était le 11 décembre, c'est le jour où mon père a été assassiné, Et puis, c'est une très belle photo, donc j'ai choisi cette photo. Et il y a des femmes voilées devant, et il y a 2 rangées de CRS. Je ne sais pas pour certains qui ont vu la couverture française, elle a circulé. Hein, il y a eu 1500 exemplaires vendus quand même. Je voulais mettre une photo de la Cinémathèque algérienne. Parce que ce film, tout à l'heure, et je réponds bien à votre question, à votre point. Quand je suis rentrée d'Alger, j'ai trouvé... Je n'ai pas parlé de flamme éteinte, je ne sais pas qui c'est qui a parlé de flamme éteinte, c'est vous, non, je n'ai jamais dit. Ce n'est pas un vocabulaire que j'emploie. En tous les cas, vous avez parlé de flamme. Non. Vous avez... J'ai dit, non. J'ai trouvé, si vous voulez, que cette jeunesse n'avait pas eu ce projet que nous avons eu dans les années 62. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que le projet des années 62, vous aviez quel âge, je ne sais pas, c'était un projet enthousiasmant. Qui n'a pas eu cette chance ne pourra pas l'avoir 2 fois, quelles que soient les circonstances. Parce que avoir 20 ans à la naissance d'un pays, c'est exceptionnel. C'est une expérience unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de gens que vous pouvez rencontrer dans la rue qui vous disent « Moi j'avais 20 ans quand l'Algérie est née ». C'est exceptionnel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais écrire un livre sur les années 70 et tout ce que nous avons fait autour de la Cinémathèque. C'est ça mon projet. Mon projet, c'était la Cinémathèque. L'enthousiasme, vous avez lu ce livre ? Vous avez lu le livre ? Vous avez lu une éducation algérienne ? Moi ? Oui. J'ai pas eu cette chance. Vous n'avez pas cette chance. Alors, passager dans la Cinémathèque. Alors, il faut vraiment le lire. Donc, moi, pour répondre à votre question, monsieur,
ce que je voulais, c'est trouver une photo de la cinémathèque algérienne pour la mettre en couverture. Je voulais rendre hommage à l'utopie des années 70. C'était ça mon propos. Mais comme on m'a informé une semaine avant de la sortie du livre et de la couverture, et comme on voyait une couverture, une espèce de torchon que je n'ai pas accepté du tout, j'ai dit alors ben mettez une photo de moi, et puis c'est tout. Et la seule photo qui était imprimable, parce qu'ils font encore une qualité, etc., c'est une photo qui a été faite il y a un an, et ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était de mettre quelque chose des années 70. Mais les photos que j'avais des années 70 étaient inutilisables par l'éditeur. Voilà, merci. Merci. Dans l'une de vos interviews, vous dites les femmes minuscules qui veulent. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que vous avez fini par écrire, et j'espère qu'il y aura d'autres projets d'écriture, après avoir été dans le communautarisme et les idées, comme vous dites, du nationalisme et les idées qui ont prédominé après l'indépendance. Est-ce que cette écriture-là, c'est pour répondre à cette volonté d'être dans le minuscule et dans l'individu? Chose qui a été complètement... Oui. Vous savez, pour être minuscule, il faut rencontrer quelqu'un de très grand. N'est-ce pas? Et cette idée de minuscule, elle commence à apparaître dans la littérature sous la plume, enfin sous l'aiguille de Goya, qui, devant Velázquez, dit qu'il est minuscule. Mais il faut être Goya pour être minuscule. Et cette interview que vous avez eue, c'est l'interview sur ce livre, Histoire minuscule, et avec un très beau texte de Nadia Tazi dedans, sur ce minuscule pays de la Tunisie, au fond, qui est minuscule, mais qui est confronté devant quelque chose de très grand, qui est cette révolution. Et je vous invite à lire ce livre, où il y a 42 auteurs, des pays du Maghreb et des pays du Moyen-Orient, qui ont écrit chacun des petites nouvelles de 5 pages. Donc c'est un livre que vous pouvez prendre au milieu de la nuit, lire 3 nouvelles, le refermer, revenir, etc. Et c'est un livre passionnant, avec plus d'auteurs algériens que d'autres auteurs, pour une raison simple, c'est parce que c'était mes amis, mais il y a des auteurs syriens, il y a des auteurs libanais, il y a un auteur palestinien, il y a des auteurs marocains, des auteurs tunisiens, et il y a même des auteurs, je dirais, comme on dit, nous, et par exemple, il y a Michel Fitoussi, qui est une juive tunisienne, qui dirige le journal Elle, que j'ai rencontré souvent, et qui a fait une petite nouvelle. Une autre dame s'appelle Michel Perret, qui écrit des livres aussi, et qui est née en Algérie, et qui était une femme charmante, et qui a écrit un très beau texte sur, aussi, c'est ce qui se passait sur l'espoir soulevé par les révolutions. Et quand je disais donc, j'essaie de retrouver ce texte. Confrontation à Velázquez. Être minuscule, c'est se sentir dépassé par quelque chose qui nous transcende, dit-il en substance. Ressentir avec
avec effroi l'incommensurabilité du chemin qu'il reste à gravir et dans le même temps, indissociablement, vivre dans un éblouissement la chose en soi, en l'occurrence la peinture. C'est-à-dire que quand Goya voit Velázquez, il est tellement ébloui par ce qu'on peut faire par la peinture, parce que c'est là où il dit, pour être petit, il faut être grand. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'ambition d'arriver là où arrivent les grands. Sinon, on n'est pas petit, on est minable. Donc, minuscule, c'est un terme qui est tout à fait particulier. Et je vous incite à lire ce livre, et en particulier le texte de Nadia Tazi, qui n'est pas une fiction, mais que j'ai accepté, parce que c'est un texte qui pose la question du minuscule d'une façon remarquable. Et comme nous sommes tous des êtres minuscules et que nous visons en grand, je pense que vous sentirez concerné. Donc, prochain rendez-vous, normalement dans 15 jours, un autre invité, d'autres questions, vous êtes toujours la bienvenue dans votre espace. Merci beaucoup. Merci madame. Pour ceux qui veulent une dédicace, vous avez le...